Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la variole. J'ai vu que la vidéo précédente sur la bactérie Helicobacter pylori vous a plu, donc j'ai décidé de faire une vidéo sur un virus cette fois-ci, responsable de la variole. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. La variole est une des maladies les plus meurtrières que l'humanité ait connue. C'est une maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse et épidémique, due à un poxvirus de la famille des poxviridés, qui sont des virus à ADN double brun. La variole est surnommée petite vérole ou en anglais smallpox. Et c'est en référence à cette maladie que la syphilis a été surnommée grande vérole. Mais les deux maladies n'ont rien en commun étiologiquement. Ce sont de grands virus de forme généralement ovale, de 200 nanomètres de diamètre et 300 nanomètres de long. Le mot variole vient du latin variola, qui signifie petite pustule. Car en effet, elle se manifeste par l'apparition de plusieurs pustules sur le corps. Par rapport à son histoire, la variole remonterait à 10 000 ans avant Jésus-Christ et serait apparue en premier au nord-est de l'Afrique et en Chine. D'après les connaissances actuelles, il s'agirait d'un virus animal qui se serait progressivement adapté à l'homme. À partir de ces foyers indiens et chinois, signalés avant l'ère chrétienne, cette maladie contagieuse avait sans doute déjà atteint l'Europe à plusieurs reprises avant le 15e siècle, qui est l'époque à partir de laquelle les textes la mentionnent de manière explicite. C'est pourtant à partir du XVIIe siècle que l'épidémie semble avoir atteint en Europe une ampleur inconnue jusqu'alors, faisant disparaître, selon certaines estimations, au moins 10% de la population. Bien qu'elle ait l'air moins terrifiante, la variole était en réalité plus meurtrière que la peste, qui ne décimait en moyenne que 4 à 5% des populations. Pour essayer d'éradiquer cette variole, il y a eu la variolisation, qui est une technique non dénuée de risque, empruntée aux Chinois et introduite en Europe, notamment grâce à Lady Montagu à partir de 1721. Elle consistait en fait à inoculer volontairement une variole humaine d'apparence bénigne, car ils avaient observé que les personnes qui avaient guéri de la variole ne la redéveloppaient pas. Donc ils avaient une immunité. Mais le résultat restait aléatoire et risqué puisque le taux de mortalité pouvait atteindre 1 à 2%. Ensuite, on va arriver en 1798 où va avoir lieu l'apparition de la vaccination. Le médecin anglais Edward Jenner publie les résultats de son expérience au cours de laquelle il pratiqua la première vaccination officielle sur un jeune garçon de 8 ans. Il a démontré l'existence d'une immunité croisée entre le virus de cowpox, de la vache, et celui de la variole dite humaine. Il a donc établi empiriquement les preuves irréfutables de la prévention de la variole par le cowpox. Edward Jenner avait en fait constaté que les vachers, qui contractaient une maladie courante de la vache appelée cowpox, résister aux épidémies désastreuses de la variole. Donc, au lieu d'inoculer la variole humaine, on a commencé à utiliser celle de la vache. Ce vaccin s'est montré très efficace et a permis l'éradication de la maladie dans le monde entier. En 1967, l'OMS a conduit un programme intensif d'éradication de la variole sur 10 ans, visant à éradiquer la maladie. C'était un succès puisque le 26 octobre 1977 a été la date du dernier cas de variole naturelle détecté en Somalie. Ensuite, le 29 octobre 1979, l'OMS déclara la variole éradiquée de la surface de la Terre. C'est donc le premier jour sans variole. Et la vaccination fut ensuite interrompue le 8 mai 1980. Le 30 juin 1999, l'OMS a fixé un délai pour la destruction totale de tous les stocks de virus, car elle estimait que la conservation des souches virales était dangereuse, car si des personnes mal intentionnées s'en emparaient, il pourrait déclencher une véritable pandémie. Au XXIe siècle, seuls des échantillons de ce virus sont conservés à des fins de recherche par des laboratoires habilités par l'OMS. Mais la principale préoccupation vient du bioterrorisme. Ces laboratoires, ce sont les centres épidémiologiques des États-Unis et de la Russie. Les poxvirus sont très répandus dans le monde animal et trois autres virus de ce genre peuvent aussi infecter l'homme, qui sont monkeypox, cowpox et vaccinia.
causant des lésions cutanées. Mais seul smallpox est facilement transmissible d'homme à homme. Smallpox étant la variole humaine responsable de l'épidémie dévastatrice qu'a connue l'humanité. La contamination se fait généralement par contact direct rapproché avec les sécrétions nasopharyngées. Elle peut aussi beaucoup plus rarement résulter du contact avec les lésions cutanées, y compris les croûtes, car les virus y sont présents sous une forme enveloppée qui limite leur pénétration. C'est pourquoi elle est un peu plus rare. Il a été décrit de manière exceptionnelle des contaminations indirectes par des objets contaminés par le virus dans l'environnement. On peut donc envisager une contamination volontaire par un aérosol de virus qui serait inhalé par la population. La première étape de l'évolution va être donc la contamination. La deuxième, c'est l'incubation qui va être latente de 8 à 12 jours. La phase pré-éruptive, c'est en fait l'invasion qui dure 2 à 4 jours et qui est marquée par un stade infectieux avec une grosse fièvre, avec un grand frisson, une température élevée, des vomissements, un délire et un état général d'emblée très atteint. Et bien évidemment, une éruption éphémère avec un rash. C'est donc après cette phase pré-éruptive qu'apparaît l'éruption cutanée dans un délai de 2 à 4 jours. Elle est caractérisée par l'apparition de macules, qui sont des lésions changeant la coloration de la peau et qui est souvent rouge-rose, puis des papules, qui sont des lésions visibles et palpables, enfin des vésicules, qui sont des lésions cutanées translucides dues à la formation d'une cavité de petite taille dans la peau, et des pustules, qui sont des lésions palpables comme les papules, mais qui contiennent du pus. Alors que les papules non. Et enfin, ces lésions vont finir par former des croûtes. Elles vont toucher les muqueuses de la voie buccale, de la peau bien évidemment, mais aussi des voies respiratoires, voire de la cornée, pouvant entraîner ainsi une cécité. Elles se caractérisent par une évolution en une seule poussée, centrifuge qui peut toucher la paume et la plante des pieds, mais qui respecte relativement le thorax, les cuisses et l'abdomen. C'est d'ailleurs ce qui permet notamment de la différencier de la varicelle qui se focalise un peu plus au niveau du thorax et qui a une évolution en plusieurs poussées. Le problème, c'est lorsqu'elles vont évoluer en croûte, eh bien, elles vont laisser des cicatrices à vie. Et elles laissent souvent un visage qu'on appelle grêlé. Donc malgré le fait d'en guérir, on est quand même marqué à vie. Passons maintenant au diagnostic qui va être essentiellement clinique. Il est fondé sur les caractéristiques de l'éruption et de l'épidémiologie. On pourra ensuite faire une confirmation biologique par la mise en évidence directe d'epoxvirus dans le liquide des vésicules ou dans les croûtes, par un microscope électronique, avec une coloration ou des antigènes par immunofluorescence, mais aussi la PCR qui va permettre en particulier le diagnostic différentiel où l'on va la confondre avec la varicelle grave à cause du même type de lésions cutanées qu'elles vont provoquer. Il n'existe à ce jour pas de traitement curatif contre la variole. Le traitement utilisé sont des traitements symptomatiques qui n'ont pour but que de réduire les complications et les infections secondaires comme les hémorragies ou la gangrène. Des médicaments antiviraux sont parfois utilisés pour prévenir le développement de la variole. Ils sont en général donnés directement après l'exposition de la personne. Ce sont le tecovirimat, cedofovir et brincidofovir. Alors, le tecovirimat a été approuvé par la FDA en 2018. Et c'est le premier traitement qui a été autorisé pour traiter la variole. Ensuite, il a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments le 6 janvier 2022 pour traiter cette fois-ci la variole du singe, dont le premier cas a eu lieu en mai 2022. On va en parler juste après. Des antibiotiques peuvent être prescrits également si les pustules se sont infectées, mais les seules possibilités de lutte contre la variole qui ont fait leur preuve dans le passé sont la vaccination préventive et l'isolement des malades. En ce qui concerne les dernières actualités, la variole humaine a été éradiquée en 1980 comme on l'a vu et n'est plus d'actualité. Toutefois, la variole du singe, qui est la monkeypox, vient d'émerger en 2022 avec les premiers cas diagnostiqués le 13 mai 2022 en Angleterre. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la variole du singe est également une maladie infectieuse due à orthopoxvirus. Cette maladie zoonotique est habituellement transmise à l'homme dans les zones forestières d'Afrique, du centre et de l'ouest par des rongeurs sauvages ou des primates. Mais une transmission interhumaine est également possible, en particulier au sein du foyer familial ou en milieu de soins. Pour le moment, cette variole du singe est moins contagieuse que la variole humaine qui a été éradiquée. Toutefois, elle va donner des formes plus graves chez les enfants et chez les immunodéprimés. Elle peut en effet se compliquer d'une surinfection des lésions cutanées ou d'atteintes respiratoires, digestives, ophtalmiques ou encore neurologiques.
Depuis son apparition en mai, elle a fait 8 morts dans le monde, dont 2 hors Afrique. Le premier cas étant au Brésil et le deuxième en Espagne le 29 juillet 2022. Voilà pour cette vidéo sur la variole. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En ce qui concerne les actualités, je vous ai mis les sources en barre d'infos. Si vous désirez aller vous informer un peu plus ou vérifier les informations, dites-moi si ce type de vidéo sur des virus ou des bactéries ou encore des parasites vous intéresse et si vous aimeriez en voir d'autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire lesquelles vous aimeriez que je traite en priorité. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et puis de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.